Brelant d'asse plus perdasse. Ça fait 5 un sprint. T'as vraiment de la chance au jeu, toi. Voilà le chef. T'as compris, la sardine? Tu lui dis qu'on part pas tant qu'on n'est pas payé. Il va être super en colère, hein. Allez, bande de mollusques à machine, on les plante. Capitaine... Quoi? Sprat, il dit qu'il en a ras le pompon de travailler gratis. Mais quoi? Une mutinerie? Tant de goémons puants, macareux mazoutés. Au boulot et plus vite que ça. Toi et tes idées de progrès social. Un tribord, un gros truc en bois qui flotte sur l'eau, avec un grand poteau planté dessus. Ce serait pas un bateau par hasard? Ah oui, je cherchais le mot. Ben, un tribord. Aujourd'hui, c'est jour de paye. Alors, tous à vos postes. À l'abordage. Quick. Roulement. Montrez-vous, bande de trouillards, Y'a quelqu'un? S'il vous plaît, y'a quelqu'un? On vient vous mettre en pièce alors! Montrez-vous quoi! Oh, quelle angoisse sur un fiou! Voulez-moi ce cimetière flottant tout de suite! À vos ordres, capitaine! Un bon coup de canon bien passé et hop! Plus de bateau! Ça va faire boum! Vous croyez que c'est vraiment une bonne idée? C'est normal qu'il cause le canon. Pourriez-vous reposer ce canon et éteindre la mèche qui achève de se consumer? C'est quoi cette espèce de méduse de canon? Je suis Omar, le terrible fantôme de ce bateau. Oui, moi je suis Irène, la petite sirène. Démon vivant, j'en étais le capitaine. Pas de doute, capitaine, c'est bien l'ectoplasme. Oh, je suis tellement content d'avoir un peu de visite. Oui, bon, bah maintenant ça y est, alors c'est fait, au revoir et à jamais. Mais attendez là, vous n'allez pas partir comme ça. Restez un peu, quoi que je vous raconte mon histoire. Les histoires de fantômes, moi je n'y crois pas. Mais c'est une belle histoire avec des pirates sanguinaires, des marins affamés, une île mystérieuse, un fabuleux trésor. Un quoi? Répète le mot là. Téfon? Non, l'autre. Elle mystérieuse. Regardez ce que j'ai trouvé. Un trésor. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'avais des ça, moi. Voilà. Coucou, ma sardine argentée. C'est ton gros cachalot platiné. Et qu'est-ce qu'il apporte, le gros cachalot platiné? Ton pantalon arc-coudre. Non, ça. Oh, la jolie boîte. Je me disais justement que j'avais plus rien pour vider la litière de sac à main. Mais enfin, Lucille, c'est pas une boîte, c'est un coq-offre. Un coq-offre avec un fabuleux trésor. Un trésor? Papa, t'as enfin trouvé un trésor? Ouais! C'est merveilleux, chérie. Ah, tout de même. On va enfin pouvoir refaire la cuisine, acheter de nouveaux rideaux... Et une écuelle en or pour sac à main. Et si on déménageait carrément? Alors, qui c'est le meilleur pirate de toutes les mers? C'est Victor! Fais voir, Buddy, fais voir! Qu'est-ce que c'est excitant! Je préfère couler les pièces d'or entre mes doigts en riant bruyamment. Les pirates, ils font ça! Oui, oh, c'est fermeture ancienne! Et si tu tournais la clé, papa? Ah bah oui, c'est pas bête ça. Eh oui, décidément, il tient de son père, ce petit. Stop! Attendez. Quoi? Profitons une dernière fois de notre pauvreté. Ça y est, j'ouvre. J'étais plus habitué. Oh, nom d'un petit long vermoulu! C'est du vent, ce trésor! Surprise, McBernick! Montre
écraseur. Il est comme moi. C'est un fantôme. Mais qui c'est celui-là? D'où il sort? Je sors de l'empire des ténèbres. Je me présente. Homer, feu le capitaine du pierre tombale pour vous servir. Galant, mais gluant, le bougre. Oh, mais dites donc, c'est gentil chez vous. C'est très gentil, hein? Pauvre, mais gentil. Richement décoré, ce serait merveilleux. Oh! Voler, c'est voler. Ton trésor, il est à moi maintenant. Hé, hey, ce trésor, vous n'aimeriez pas qu'il redevienne réel, capitaine McBurnack? Au fond, t'es pas si antipathique que ça, tu sais. Allez, rentre, c'était pour rire. C'était pour rire. Ah, une maison, une famille, la douceur d'un foyer, le bonheur. Alors raconte, comment il faut faire pour que le trésor redevienne réel? Il faut un tentacule de pieuvre. Je te préviens, Omar, si jamais tu te fiches de moi, tu finiras en conserve dans un pot entre la gelée de groseille et la marmelade de poulpe. Un tentacule de pieuvre, mais attention, il ne commence à lui du milieu. Faites-en une décoction, plongez-y le trésor et vous verrez. Il redeviendra réel. Oh, les pièces sonneront à vos oreilles. Oh, c'est chaud. Oh, ça brûle. Oh, Omar! Et qui a-t-elle? Yeah, ça marche pas! Et dites-moi, vous avez bien pris le tentacule de milieu, comme je vous ai dit? Ah bah non, j'ai pris celui qui me tombait sous la main. Ah bah là, c'est sûr, hein, si vous prenez pas le bon, ça risque pas de marcher, hein, c'est sûr. Hein. Celui du milieu. Non mais là je crois qu'il y a vraiment un problème. Ou bien je m'exprime mal, ou bien votre cerveau il est gelé, hein? J'ai dit saluer 2 millions. Oui, 2 millions. Ah, McBurnack, mon ami, dites donc vous tombez à pec. Dites-moi, membre mot de la pieuvre en 9 lettres. Du milieu. Mais non, du milieu, ça fait que 8 lettres. Ah bah oui, maintenant je voulais dire tentacule, ça m'obsède. Bravo, bravo, ami. Mais enfin, pour vous, c'est raté, hein. Vous avez pris le troisième tentacule en partant de la gauche. Tada! Là, je suis certain d'avoir la bonne. Ah, bah dites donc, vous allez rire, McBurnick. Vous êtes tombé sur un poulpe estropié et lui manque justement le tentacule du milieu. C'est bon. Ah, une petite pause. Je vais faire une petite pause. Mon pauvre chéri, t'es à bout de force. Je vais te faire un massage. Que vous faites sous le lit? Continuez, continuez, faites comme si j'étais pas là. Oh, là. Au fait, McBurnack, c'est toujours pas le bon tentacule. Vous savez, monsieur Omar, vous n'êtes pas du tout obligé de déjeuner avec nous. Mais ça me fait plaisir. Vous êtes une si charmante famille. J'en ai ras le bonbon du maquereau à la confiture de banane. C'est excellent pour toi, c'est plein de vitamines. Et toi, peut-être scampé, tu ne manges pas non plus? Non! Tout ce qui est visqueux, ça me coupe l'appétit! Elle est charmante, enfant! Je ne suis pas une enfant et je ne suis pas charmante! Eh là 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 là! Mais quel tempérament! À tout à l'heure, mon! Quel pot de colle, cet homard! Eh, hey, salut, papa! Qu'est-ce que tu fais là? Papa? Tentacule du milieu. Tu vois pas qu'Omar, il se fiche de toi? Il y a sûrement un autre moyen. Si tu trouves ma fille, je double ton argent de poche. Rien multiplié par 2, ça fait combien? Je connais un endroit où on trouve les réponses à toutes les questions. Ouais, sur le mur des toilettes des garçons? Mais non, à la bibliothèque.
Voilà ce qu'il nous faut. Manuel de fantomologie du docteur Van Helsing. Apprivoiser votre fantôme, comment nourrir votre fantôme. La toilette du fantôme. Ça y est, j'ai trouvé. Rendre son corps à un fantôme. Si on rend son corps à Omar, on redonne forcément sa réalité au trésor. Logique. Vas-y, lis. Vous êtes fantôme et vous désirez retrouver votre enveloppe charnelle. Rien de plus facile. Il suffit qu'une jeune fille d'environ 15 ans vous... Ah ! Vous quoi ? Allez, continue ! J'arrive pas à lire. C'est mal imprimé, ces vieux bouquins. Allez, viens, on rentre. Vous êtes fantôme et vous désirez retrouver votre enveloppe charnelle. Rien de plus facile, il suffit qu'une jeune fille d'environ 15 ans vous... vous embrasse. Tu sais, j'ai de la chance d'avoir un fils comme toi, Bigorno. T'as aussi une fille, bah. Une fille qui va nous rapporter un fameux butin avec un simple petit bisou. Tout juste, Bigorno. C'est vous qui avez Super Pirate. Qu'est-ce que vous complotez, tous les deux? Rien, je félicite Bigorno pour son carnet de notes. Bah! Ah bah ça c'est Omar qui fait ses mots croisés. Oh, je suis à la trace, celui-là. Il part quand? Et bah, pourquoi il te dérange? Je trouve bien cet homme, un petit peu palo, mais il est sympa. Excuse-moi, mais je préfère les vivants plutôt que les gluants. Ouh, elle va être difficile à convaincre. Fais confiance à ton papa et à son sens de la psych... de la spichologie... de la spich... Aïe, 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 aïe. Viens par ici, toi. Aïe, tu me fais mal. Alors, sale petit harangue cafteur, t'as craché le morceau à papa, hein? Bravo. Je te jure, je l'ai dit. Menteur. Moi aussi, je veux ma part du trésor. Vous n'aurez rien, parce que j'embrasserai pas Omar. T'es qu'une égoïste à cause de toi, maman. Elle peut même pas changer les rideaux. Et un baiser pourra devenir vivant. De la douceur, Bigorno. Avec Scampi, il n'y a que la douceur qui marche. Et la psych... la psychologie... la psychologie... Fantôme de malheur, ectoplasme sournois. Tu t'es bien fichu de moi avec ton tentacule, hein? Même pas mal. À votre place, je la ramènerai moi, Meg Burnock. Décédez-vous de votre fille si vous voulez une part de mon trésor. Watsula, Watsula, Watsula. Mais Barik, mais comment il l'a su? Scampi. Allez, Scampi, fais pas la tête. Un tout petit bisou. J'embrasse qui je veux, quand je veux et seulement par amour. L'amour, l'amour, hein, tout de suite les grands mots. Et là, pas du gain, alors qu'est-ce que t'en fais? Toi aussi, tu pourras t'acheter des jolis cadeaux. C'est oui. Non! Nom d'un pilon vermoulu! Je préférerais affronter une flottille de galions espagnols plutôt qu'élever une fille de 14 ans. Elle était tue, hein? Oui. Les mers sont un peu glaçantes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Figure-toi que seul Scampi a le pouvoir de rendre le trésor réel. Explique-toi. Par un geste tout simple. Un geste qu'on fait tous les jours, toi et moi. Ça. Oh! Voilà. Quoi? Que Scampi embrasse Omar? Tu vois, tu penses comme moi, tu veux pas y aller. Elle t'écoutera, toi. Alors comme ça, tu serais prêt à jeter ta fille au cou du premier malvenu pour une poignée d'or? Bah si c'est le seul moyen... Tu devrais avoir honte, Victor! Et alors, on veut pas faire plaisir à son papa, hein? Elle est en te besoin pour la bonne cause! Avec plaisir! Oui, là, vous n'étiez vraiment pas très coopérative, hein? Ma chérie, tu dors? Oui, profondément. Oh, wow.
mon petit effet en fantôme de minuit. Enfin, minuit moins le quart. Oh oh, le gobeur de placement. Olé! Papa, maman, Omar, il fait exprès de me faire peur. Il commence à me chauffer les écoutilles, celui-là. Si t'étais un peu plus accueillante, on n'en serait pas là. Ça y est, c'est ma faute. Parfaitement. Monsieur nous impose un fantôme gluant et sans gêne, et on doit dire merci. Gluant et sans gêne, tu parles de ta mère, là. Ne mêle pas maman à cette histoire. Je dis ce que je veux. Eh ben moi, je veux qu'Omar déguerpisse d'ici, sinon c'est moi qui pars. Eh oui, un très bel échange de grand air. Bravo. Tu tombes bien, toi. Tu vois dans quel état ça met ta mère, tes caprices. Scampi, n'écoute surtout pas ton père. Ouais, c'est de ta faute. T'avais qu'à oublier à la psychologie de papa. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Chez nos voisins. Comme si ce cachalot avait les moyens de s'offrir ça. C'est peut-être l'anniversaire de la petite. Ça va, regardez. Je peux faire couler les pièces d'or entre mes doigts en riant brillamment. Oh, et qu'est-ce que c'est bon d'avoir un corps. Il ne me manque qu'une maison et une compagne pour fonder un doux foyer. On a d'autres projets pour... Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi. Au revoir, monsieur l'ex-fantôme. Et merci pour tout. Alors, on prend le frais Mac Bernick. Vous n'étiez pas en train de cacher quelque chose dans une chaloupe? Un trésor, par exemple? Tout faux! Le trésor, il est à la maison! Bon, faut qu'on y aille. Le petit, il a école demain. Demain? Mais c'est dimanche. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? Non, penses-tu? Bon, approchez les gars, c'est jour de paye. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tout le monde, il est là. Crache ça, toi, c'est moi qui fais les parts. On partage selon son poids, comme d'habitude. Ça vous dit du filet de lapin? Ça vous paraît normal, vous, un lapin dans une famille de mouettes? Moi, je n'aime pas ça! Le partage, ce sera pour plus tard. Oui. Oma! Sois sage, mon trésor. Papa y revient. Alors, Mac Bernick, on fait des cacheteries à son voisin? Ah, Irvine! C'est pas un vrai lapin! Pardon? Wed! Aujourd'hui, c'est moi qui touche le gros lot. Pour une fois que tu touches autre chose que le fond. Oui. Olé. Oh. Papa. Papa. Désolé, l'ex-fantôme n'est pas partagère. Maurice.
Écartez-vous. Ça va brûler un tout petit peu, capitaine. Oh non! Oh non, ne laissez pas faire ça! Dans mon bateau! Mon trésor! Oh, ma... T'as sauvé mon trésor de ce requin puant! Oh, viens ici que je t'embrasse! Oh non! 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 Sale boulot, hein. Des fois, je me demande si je suis fait pour ça. Mais pourquoi t'es allé l'embrasser, Victor? Tu pouvais pas te contenter d'une poignée de main? Pas, main. On peut dormir avec vous? À cause de Marc, maintenant, on a peur des fantômes. La belle excuse. Bon, d'accord. Allez, on embarque. Ouais, j'ai peut-être pas de trésor, mais j'ai mieux que ça. Quoi? Un sabre lumineux? Une armure en forme de requin? Non, la chaleur familiale, mon petit bigourdeau, c'est le plus beau des trésors. Beuh.